Chers téléspectateurs, nous voici de retour sur ce plateau des rendez-vous de ETV avec des cinéastes, la nouvelle génération de réalisateurs de cinéma antillais, Chris Burton, Carl Desfacieux, Jean-Claude Barny, Mariette Montpierre. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, nous allons aborder dans cette partie la question de l'image et de la représentation des Noirs dans le cinéma français. Voilà, hein. Une question aujourd'hui qui est d'actualité, hein, tout le monde parle de la représentation, de la représentativité, de la manière dont les Noirs sont représentés dans le cinéma français. Alors, je vais vous poser cette question à vous tous. Que pensez-vous de la manière dont les Noirs sont représentés dans notre cinéma, dans le cinéma français? Chris Burton! Je ne sais pas si c'est une vraie question, ça, mais... C'est une question qui est d'actualité, malheureusement, et qui secoue l'Anderno cinématographique ces jours-ci. Mm-hmm. Hein, depuis plus d'un an, avec le mouvement « Noir n'est pas mon métier ». Bah, moi, je pense, ce que je ressens hein, de ma petite expérience, c'est qu'on a une régression. On a vraiment une régression. Il y a une époque, dans les années 80-90, au niveau national, on voyait déjà beaucoup plus de Noirs, même si c'était des films de comédie, des... moi je pense à Pascal Légitimus, voilà, il y avait des films où le cast était... Ils étaient bon collés, il y avait quelques acteurs et jamais qui officiaient. Oui, ouais, il y avait beaucoup de Noirs. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour avoir des Antillais ou des thèmes Antillais dans un film national, il faut faire beaucoup de concessions. Et donc j'admire déjà le travail de Jean-Claude dans le fait de ne pas faire de concessions justement, parce que j'imagine que pour réussir à se frayer son chemin au niveau national, ça doit être très compliqué. Et j'ai l'impression que pour exister, il faut faire certaines concessions. Genre, on va faire des films où on rigole beaucoup. Genre casse départ, tout ça. Voilà, comme c'est des Antilles, c'est le... Voilà, c'est l'imagerie, l'image des villages. Voilà, ça n'a pas changé. J'ai l'impression que ça empire. Et pour moi, voilà, c'est, je fais partie de ceux qui, pour une fois, sous l'inspiration de mes pères, se disent non, j'ai pas envie de faire ça. Et j'admire les gens comme Jean-Claude qui réussissent à exister au niveau national sans faire de concessions. Dans des concessions que tu devrais faire. Et je pense aussi à Uzan Palsy qui n'a pas sorti plein de ses films parce qu'on lui demandait de faire des concessions. Et donc on a l'impression qu'elle ne fait plus rien, mais depuis des années, j'ai pu échanger avec elle. À Los Angeles, je lui ai posé la question explicitement, je lui ai dit écoute, est-ce qu'on a un héritage? Donne-moi quelque chose. Et donc on a parlé très longuement et je me suis rendu compte effectivement, c'est chaque fois qu'un film sort au niveau national ou même chaque fois qu'un long métrage antillais sort, il y a eu des morts. C'est simple, il y a eu... C'est... Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question de la représentation des Noirs dans le cinéma français, Mariette? Oh. Hein, vous avez, vous êtes que très dire, concernée. Que dire? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. On est invisible et on nous met, on nous fait présenter la météo et on nous relègue à François qui va bientôt ne plus exister. Donc la représentation. Mais ça, c'est la partie télévision. Même, je parle même du cinéma. Dans les films. Ben, c'est bien, le mouvement noir n'est pas mon métier. On ne nous met que dans des rôles de noirs, d'escrocs, de putes ou de drug dealers. Donc il faut casser ça. Je crois qu'on est en train de le casser petit à petit. Moi je pense que justement c'est parce qu'on n'est plus représenté, c'est parce qu'on refuse ces rôles-là. Si on aurait accepté encore de jouer ces rôles-là, on serait encore très présent dans le cinéma, dans l'univers du cinéma français. Et c'est parce qu'il y a une prise de conscience qui date des années 90, qui était très forte, avec le mouvement hip-hop, où les gens se sont dit, mais attendez, là, aujourd'hui, il y a une black implant de cette nouvelle génération, et donc il y a tout ce qu'il y avait dans les années 50, 60, 70, on n'en veut pas. Donc du coup, ceux qui n'étaient pas prêts en face de nous, ils n'ont pas su faire le renversement. Donc ils n'ont pas su... Une remise en cause de la représentation des Noirs. Ils n'ont pas su prendre justement cette rupture, en disant, bon ok, on va vous appeler autrement, donc on va essayer de créer une autre imaginaire de Noirs, ils n'ont pas su, ou ils n'ont pas voulu, peu importe. Donc du coup, on les a complètement écartés. Puisque vous ne voulez plus jouer les clowns, eh ben, on ne va plus vous prendre. Et on va chercher d'autres clowns.
Et donc, ouais. ils ont pris des clowns fondamentaux, comme, bon, je ne vais pas les nommer, parce que c'est aussi ceux qui font du succès de foule aujourd'hui, hein, je vais à Omar Sy ou à Amit Silla, ou d'autres qui jouent, ou même, qui jouent réellement maintenant l'arbre qui cache la forêt, et qui jouent un peu ceux qui sont censés nous faire plaisir et leur faire plaisir. Okay, mais il y a toute une génération, pardon, qui a disparu des écrans. Et moi, je rejoins Chris sans tenir la parole. Quand Chris dit, moi, je veux pas de ça, et c'est ce qu'il attendait, moi, je l'avais dit, hein, à un moment, si clairement, on n'arrive pas, nous, à intégrer notre cinéma dedans, il y a d'autres qui vont partir ailleurs. Et c'est ce qui arrive. Donc, voilà, ils vont vers d'autres horizons et tant mieux. Mais on est en résistance. On est en résistance. Et il y a effectivement un mouvement qui marche très fort, hein, avec des collectifs comme Afrofiction, comme Mille Visages, Diaspora Act, Contre-Ajmé, 50-50, tous ces mouvements-là. Et qui sont nés des CM98, qui sont nés de d'autres mouvements politiques, hein, parce que ça, ce sont des mouvements, je dirais, militantistes artistiques. Oui. Mais ces mouvements, ils sont nés parce qu'il y avait Luc Saint-Éloi, il y avait d'autres mouvements. Voilà, il y avait Luc Saint-Éloi. Bien sûr. César. Antérieurement, on se rappelle l'intervention de Luc Saint-Éloi et Carole Béala. C'était un marteau, c'était une rupture totale. Oui. C'est là, je pense, qu'il y a eu le nom définitif de « on ne sera plus vos clowns ». Oui. Carole Desfacieux, qu'est-ce que vous pensez de ça? Cette représentation des Noirs dans le cinéma, et c'est surtout cette manière qu'a le cinéma français de cantonner les Noirs dans des rôles prédéterminés, comme des rôles racisés, il faut dire les choses comme elles sont, dans des rôles racisés. Quand on est Noir, on est clown, on est dealer, on est prostituée, au mieux on est infirmière ou vigile. Hein, souvent, on travaille à la poste. Regardez un peu le navet que Télérama qualifie de brontosaure au tutu. Lequel? Le dernier, All Inclusive. Ah. Quels sont les rôles qu'on donne aux acteurs noirs dedans? Ceci va faire date. Télérama qualifie ce film de brontosaure au tutu. C'est vraiment une critique au vitriol de ce film qui n'en vaut pas la peine. Alors, en fait, moi, je trouve que c'est assez complexe, qu'il faut faire attention aussi un peu à ce qu'on dit, qu'en gros, il faut pas qu'on se tire une balle dans le pied. Voilà, c'est un peu ça. Concrètement, alors, vous voulez dire quoi? Vous parliez de « Noir n'est pas mon métier ». Moi, je trouve ça super. Quelle bonne idée. Non mais sérieusement, quelle bonne idée de monter les marches de Cannes et de dire en fait on est là et on n'est pas qu'aide-soignante, on n'est pas qu'une prostituée, qu'une droguée, qu'une nourrice, qu'une postière, enfin que sais-je. Et je trouve ça génial, je trouve ça très bien, ce manifeste, voilà, ce qu'ont vécu ces femmes, d'autres comédiennes, d'autres ethnies vivent ça aussi de manière différente. C'est vrai. C'est un sujet très difficile. Attendez, les téléspectateurs vous regardent, dites-nous. Parce que, il faut le faire, il faut en parler et il faut que ça change, mais il ne faut pas, je pense, hein, honnêtement, ne se servir que de ça pour pouvoir exister. Vous voyez ce que je... personnel. Non, vous voyez ce que j'essaye de vous dire, par exemple Non, je ne vois pas. Eh ben, éclairez-moi. Le cinéma de Spike Lee, qui parle beaucoup de sa communauté afro-américaine, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cet homme-là explose et nous montre quelque chose de tellement nouveau dans les années 90, c'est qu'il a réussi à mettre en avant sa communauté à travers des personnages noirs, mais en les mélangeant avec des communautés différentes. Et en fait, ça leur a donné du poids. On est là. Et je fais quelque chose de tellement génial et intelligent, c'est que je vais mélanger des communautés entre elles. Oui, et la communauté italienne et afro-américaine. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Alors, tous ces collectifs et tout ça, c'est super. Et il faut que ça existe. Et c'est très, très bien de le faire. Mais je pense que si on veut avoir encore plus de poids et être plus fort et
plus accompagner des comédiens, oui. les futurs, les anciens, etc. C'est comme ça, enfin, vous voyez... Ce que tu dis résonne un peu chez moi, parce que, par exemple, là, il y a l'Adji qui a gagné le Grand Prix Festival de Cannes, bravo l'Adji, mais il ne faut pas qu'on tombe dans l'excès que maintenant, le cinéma noir, c'est que la banlieue. Oui. Voilà. Maintenant, on ne parle que la banlieue. La diversité, si on n'a pas fait un film qui se passe dans la banlieue, on passe pas. Oui, et donc, est-ce que c'est pas aussi une volonté de vouloir enfermer les gens dans cette diversité? Voilà. Parce que le terme diversité ne veut pas dire. On ne fait pas que des cinémas de banlieue. Que tu disais d'être encore se faire valoir anxiogène de la France. Hein. Voilà. Non. Mais voilà. Est-ce que c'est des plans? En fait, il ne faut pas s'enfermer. Voilà. Tout à fait. On est tout à fait d'accord sur cette question. Pour revenir sur Carole, très justement, en fin de compte, sur la problématique, enfin c'est vraiment encore un avis parce que c'est toujours délicat, on s'excuse toujours de dire du mal de nos compatriotes, surtout quand ils sont devant la mémoire, mais comme tu dis, il faut des fois dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ça c'est vraiment le débat d'idées, c'est-à-dire que nous en tant que communauté, on a aussi le droit de se faire notre autocritique et pas dire que c'est tout absolument. Un bien. Bien sûr, c'est pas génial tout le temps. C'est pas génial du tout ce qu'elles font, parce que ce qu'elles revendiquent, en fin de compte, c'est de pouvoir travailler avec des réalisateurs, des productions qui nous ont piétinés. Ah oui, elles demandent simplement d'avoir leur place. Oui. Elle dit pourquoi vous ne me faites pas travailler, pourquoi vous, au lieu d'aller voir des réalisateurs, moi elles sont jamais appelées ces filles-là. C'est vrai. T'as un mec qui est hyper doué. Pourquoi elles viennent pas vers ce gars-là et disent voilà, tu es pas connu, mais t'as un putain de talent, nous on est des comédiens un peu connus, on va mettre notre notoriété à ton service. Voilà. Là, c'est vrai qu'une fois qu'un acteur passe de l'autre côté et qu'il a une reconnaissance, il ne nous connaît plus, nous, les petits réalisateurs. Les Afro-Américains, c'est ce qu'ils font. Toi, Spalky, quand on était connu parce que Denzel ou c'est ça, à un moment, était beaucoup plus connu que Spike Lee. Quand Spike Lee les a rappelés pour revenir faire des films, ils sont venus. Ouais, ils sont revenus aider Spike Lee à faire ses films. Soutenu. Mais ces filles-là, tout en les nommant, elles se sont jamais intéressées aux réalisateurs ou aux producteurs. Nous, on a le même producteur de notre communauté. Ouais, donc pourquoi nous tout d'un coup on dirait ah ouais c'est génial, monte les marches et tout, bravo. Non, j'ai quel bravo. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternative. Parce qu'en fait il n'y en a pas, mais on peut la créer. Parce que le nerf de tout ça, c'est la créativité. Maintenant, il faut attendre, il faut arrêter d'attendre qu'on nous donne la permission. Il existe d'autres marchés sur lesquels, pour un exemple simple, juste pour mettre le curseur sur moi, mais bien au mon premier court-métrage, il est passé une fois en France en diffusion, il a fait le tour du monde et là il est en train de faire un buzz au Nigeria. D'accord, 291 millions de personnes. Ça n'a rien à voir avec le marché français. Et à un moment, il faut arrêter de Il faut qu'on crée nos propres réseaux, nos festivals. Et par exemple, il y a l'équivalent des Oscars au Nigeria, ce qui s'appelle les AMA. C'est les Oscars africains. On n'a pas besoin de Cannes, on n'a pas besoin des Césars. Créons nos propres... Nos propres c'est ça, avancer. Oui, je suis d'accord, et ne pas s'enfermer. Jean-Paul Barney, vous êtes très sévère par rapport à ce. Je dirais qu'aujourd'hui, nous avons tous raison. Chris a raison, Carole a raison, et Marie a raison. Mais aujourd'hui aussi, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner aussi ce qui nous traduit. Notre but, c'est qu'il y a aussi des collectivités, il y a aussi des instances nationales qui doivent nous entendre. Oui, mais il ne faut pas partir. Et comme il dit, il n'y a pas que ça, tout à fait. Il n'y a pas que ça. Mais aussi, on doit, avec le talent, alors moi je ne parle pas anglais, et tout, mais en tout cas, on se doit aussi d'occuper le terrain le plus longtemps possible pour que demain, quand vous allez revenir en France, au moins, il y aura quelques petits justement, points. Il y a un travail qui a été fait sur cette question de la représentation des Noirs dans le monde racisé du cinéma français, qui reprend tous ces thèmes et où on va montrer quand même que ces actrices ont écrit leur manifeste, mais ne se sont pas arrêtées simplement au manifeste. Il y a un travail derrière qui est en train d'être fait, qui n'est pas négligeable. Non, mais on ne dit pas que c'est... Négligeable. Enfin, alors je pense qu'on s'est tous compris. Oui. On n'est pas en train de dire que c'est pas bien. Hein. Mmh. Attention. Hein. Oui, enfin, non, c'est pas... Oui. Encore une fois, je dis juste, et je crois qu'on est tous... Enfin, on le dit de manière différente, mais on est plus ou moins d'accord là-dessus. D'accord. Il ne faut pas s'enfermer là-dedans. En fait, l'erreur, c'est s'enfermer dans un... Oui. Je ne dis pas ça. Je dis que...
le plus grand nombre au niveau des Antilles françaises dans ce corps de métier pourrait, ce n'est pas leur but certainement, mais pourrait s'enfermer là-dedans. Et si vous vous enfermez dans quelque chose, c'est très difficile d'avancer. Ouais. J'aimerais rajouter là-dessus, parce que bon, on parle de noir n'est pas mon métier, les actrices, mais on peut appliquer cette même chose aux réalisateurs. Moi, par exemple, quand je me présente avec un scénario où le personnage principal est une blanche artiste des années du siècle dernier, on me regarde, on me dit mais pourquoi tu fais ce film? Pourquoi tu as envie de faire ce film? Ah oui? Oui, parce que ça parle pas de question moi. Là. Oui, oui, oui. Enfin, oui, vous êtes réalisatrice, vous voilà. N'êtes pas. Voilà, eh ben non, parce que on me ghettoise. Et dans le cahier des charges, j'ai marqué Mariette Montpierre, femme noire, ne peut faire que des films avec des noirs, ou ne peut parler que de l'expérience noire, c'est-à-dire que je suis qu'une femme noire, je ne suis pas femme. Ouais. Donc, quand je présente un scénario avec un personnage principal, une blanche, ben non, ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Et donc, on m'enferme dans un type de film seulement. Mais figurez-vous que ce cas dont vous parlez, dans le documentaire à venir sur le monde racisé du cinéma, il y a un acteur qui raconte l'histoire d'un jeune réalisateur, on va dire négropolitain, qui fait un film, un court-métrage très policier, vraiment un film hyper policier, avec un acteur, l'acteur principal noir. Il y a plein d'acteurs, hein, des blancs, des... Et le producteur lui dit, ah ouais, mais c'est quand il présente, il dit non, c'est pas vous qui avez fait ça. Il dit non, c'est moi. Donc, comment vous pouvez faire un film comme ça, un film policier? Non, c'est pas possible. Bon, ben, si vous voulez qu'on fasse le film, c'est-à-dire qu'on fasse un long à partir de ce film-là, il faudrait que vous changiez d'acteur, que vous preniez un acteur blanc. Parce que c'est pas vendable. Ça, c'est assez étonnant. C'est tout à fait ce réflexe toujours de vouloir enfermer les gens dans des. C'est la catégorisation, la racisation, en quelque sorte. Hein. Oui, mais puisque vous êtes noir, vous ne pouvez faire que ce type de film. Mais non, ce que fait l'industrie du cinéma en France, c'est que chaque décennie, ils choisissent un réalisateur noir. Qu'ils mettent... Un acteur surtout, parce non, non, réalisateur aussi. Réalisateur aussi, par exemple, des Nani Stessan Bene, après c'était... Le Mauritanien Abderrahmane Sissako, après quand il a fait toute sa carrière avec Arte. Chaque année, ils mettent sur un piédestal un réalisateur qui représente ce que c'est le cinéma africain ou de la diaspora dans leur tête, c'est-à-dire des gens qui correspondent au code qu'ils ont envie de développer, de voir développer. C'est exact. Alors moi j'adore Abderrahmane Sissako, hein, j'aime beaucoup son cinéma, mais c'est des choix qu'ils font chaque décennie. Ils mettent en avant et puis ils disent voilà, nous avons notre réalisateur noir. Ouais, non, c'est mais bon. ça c'est l'alibi c'est le cache-sexe, quoi. C'est, on peut dire absolument. Ça comme ça. Et c'est puis, bon, vous savez, je crois que l'autre... Je me permets aussi de vous dire ça, parce que je trouve ça assez important. Dans le paysage audiovisuel, aujourd'hui et depuis très longtemps, en fait, et c'est ça la problématique, je pense, des acteurs et des actrices noires ou métisses. Je parle pour les métisses beaucoup. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à nous définir visuellement. Ah oui. Et donc, une Guadeloupéenne, dans le paysage audiovisuel aujourd'hui français, est forcément noire. Un Martiniquais est forcément noir. Un Guyanais est forcément noir. Enfin, vous voyez, c'est très basique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une vraie réalité. En fait, on n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'aujourd'hui, les Caraïbes, et ce depuis toujours, c'est de la mixité. Alors, il y a des Noirs, il y a des métisses, des Indiens, des Asiatiques, enfin, il y a tout un mélange, etc. Toute la représentation de la diversité. Est-ce que c'est pas nous aussi très français Oui, mais après, moi je reviens un peu sur les Chris, parce que eux, c'est pas leur... Enfin, je veux dire, ça serait beaucoup leur demander de faire cette distinction de couleurs quand nous-mêmes, on n'a pas encore de filmographie à leur proposer. L'éducation commence déjà par nous-mêmes. Avant de leur demander qui nous sommes et tout, déjà, il faudrait nous qu'on puisse nous montrer. Non, je disais ça parce que
C'est aussi une problématique pour des comédiens qui tentent d'exister, ouais. ne serait-ce qu'en métropole. Quand Pourquoi vous, passez... vous avez eu un cas non, précis où on non, vous a dit que vous n'êtes pas assez noire pour pas assez blanche Non, alors moi, moi j'ai eu le cas précis de alors ici en fait. Ici, en Guadeloupe, oui, tu n'as pas d'accent, donc c'est très compliqué parce qu'on parle machin, etc. Ou tu es trop blanche. Non, je vous assure. On vous a dit ça ici. Et ici, bien sûr. Et j'ai eu aussi. Tu as un nez trop gros. Tes cheveux sont crépus, mais bouclés en même temps. Enfin, on a du mal à savoir. J'ai eu les cheveux rasés pendant plus de 10 ans. C'est féminin, mais ça ne l'est pas. Tu as un côté qui est un peu trop androgyne, etc. Et c'est bon, voilà, c'est le métier qui veut ça, et c'est comme ça. Mais ce que j'essaye surtout de dire, c'est que dans le paysage audiovisuel, c'est encore, il y a des choses qui s'ajoutent dans celle-ci, qui est de ben. Et pourquoi une métisse ou un métis n'aurait pas accès à certains rôles parce que physiquement, on n'arrive pas à l'identifier. J'entends parce que c'est ce que j'ai toujours vécu dans enfin, j'ai beaucoup entendu, mais la réponse c'est toujours parce qu'elle a dit que nous sommes jeunes, oui. nous sommes une toute jeune génération de cinéastes, oui. tout jeunes. Et avant d'avoir cette liberté que nous, déjà, on a complètement assumé, complètement consommé, il y a le public et ceux qui, des fois, malheureusement, nous produisent, n'ont pas encore envie de se frotter à la nouveauté. Mm-hmm. Donc, nous, on est victime encore de notre jeunesse. Ouais. Ça, même avant ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que les commissions, la commission, en fait, qui vous donne l'autorisation de créer votre... Imaginons que Mariette doit effectivement avoir un Asiatique, qui soit guadeloupéen. On va prendre ça pour une erreur. Mais carrément. Oui. Elle sait pas écrire pourquoi elle fait ça. C'est une erreur de casting. Non, ça n'existe pas. Non, ça va pas passer. Elle n'a pas les compétences. C'est le dictat, vraiment. Juste pour ça. Et donc, on n'est même pas capable de créer notre propre commission de lecture avec des gens qui ont notre culture, qui comprennent ce qu'on veut dire par ravine. Et la vision. Qui comprennent ce qu'on veut dire par cacahuète. D'accord. On ne sera pas capable de faire. On essaie de transposer un modèle qui a 8000 km, qui ne cherche pas à savoir qui c'est quoi, parce que appliquer sa vision systématiquement. Exactement. Dans la Caraïbe, ils font parce que les gens qui décident dans les commissions si nos films sont financés ou pas, n'ont pas notre imaginaire. Ils n'ont pas notre culture, notre expérience. Enfin, les commissions, c'est ici ou en métropole ? Ici déjà. Je pense qu'il faut s'arrêter soi-même. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Après, en métropole, je pense qu'ils sont capables d'accepter des choses qui ici devraient... Je suis d'accord. C'est toujours un peu ce levier. Si on n'a pas de levier, comment tu défends un projet ailleurs ? Comment avoir alors le contrôle de la narration si en même temps, vous avez dans les commissions des gens qui vous disent « Ah, vous ne pouvez pas parler de Ravine, machin, ou vous ne pouvez pas parler de... » Avant, vous ne pouvez pas faire... Il y a un moment dans les commissions... Dans les commissions, vous ne pouvez pas parler de vote. Pourtant, les commissions où il y avait trop... Moi, quand j'ai présenté Nick Baron, c'était pas possible. Il fallait des films qui étaient plutôt franco-franco. Ça évolue évidemment parce qu'il y a eu tout le... il y a eu tout un travail qui a été fait par des groupes qui ont remis la créolité au centre. Ouais. Mais à un moment, le combat, il est extrêmement dur. Le combat que nous avons... Prendre le contrôle de la narration de nos histoires. Si vous avez tous ces obstacles, comment raconter des histoires, nos propres histoires qui ne font pas moins partie du roman national? Il faut qu'elles existent. Il faut que les élites, mais il faut les raconter. Mais vous parliez tout à l'heure de nos traditions orales, où nous sommes des conteurs d'histoires extraordinaires. Assister à des veillées où les gens racontent les histoires. Je me rappelle la mémoire de Chabin. Hein, Chabin qui était un grand conteur dans les veillées, dans les années 60 ici, qui racontait. Nous savons raconter des histoires. Si nous ne sommes pas capables de raconter nos propres histoires, qui va les raconter à notre place? Exactement. Ben moi, comme je dis toujours, make films by any means necessary. Faire des films par tous les moyens. Absolument. C'est comme Malcolm X. c'est la même façon. Moi, chez moi, c'est, on a un produit local artisanal qui explose, c'est le tour des yoles.
Mais au départ, il faut construire la yole. On ne va pas attendre d'avoir l'autorisation. On ne va pas dans des commissions avec des plans pour dire voilà ce bateau, je vais faire. Il n'y a pas qui. Hein. Mais ça va marcher, vous allez voir. Qui va vous valider ça? Non, il faut s'organiser. Se dire on va créer notre cinéma de manière artisanale, professionnelle, mais artisanale, et le commercialiser ailleurs. Une fois qu'on. Moi, je dis que c'est simple, hein. C'est comme la Corée du Nord. Une fois que vous avez la bombe atomique, on vous respecte. Une fois que vous avez un long métrage qui est inclus dans un festival indiscutable. Mais je crois, on vous accueille avec le respect. Je crois qu'on n'est jamais roi dans son pays. Moi, je suis sollicitée à l'international. Je vais en Afrique du Sud le mois prochain. Je suis invitée en Afrique du Sud. J'étais le membre du jury au FESPACO. Le dernier. Mais je suis constamment sollicitée aux États-Unis et ailleurs. Mais ici. L'histoire de Chris sur au Nigeria avec son film qui cartonne là-bas. C'est un marché de près de 300 millions. Oui, c'est 300 millions de téléspectateurs, de spectateurs potentiels. Et ces gens, les Nigériens consomment le cinéma. Ils aiment ça. Ils l'expriment de manière incroyable. Ça serait peut-être là l'alternative. C'est peut-être aussi que nous sortions un peu de l'ornière dans laquelle nous nous enfermons aussi. Hein. Mais bon, c'est un formatage qui a été fait, qui est le résultat de beaucoup de siècles. Mais en même temps, comme ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas s'enfermer. Et comme l'a dit Jean-Claude, normalement, on y a droit. On est censé avoir accès à ces choses-là. On nous fait croire, tu sais, il y a un double langage en permanence, donc du coup, on est... Dernière pause publicitaire, et nous allons revenir dans quelques instants, chers téléspectateurs, pour terminer cette émission extraordinaire sur laquelle on apprend des tas de choses. Dans une minute, on revient avec vous.